السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن دائما هنا في إطار الاستعداد للفروض المقبلة إن شاء الله، ارتأيت أن تقاس معكم هذا الموضوع الخاص بلو ترافاي إلا بويسونس دون فورس، يعني الشغل وكذلك القدرة لقوة معينة، إذن حسب المعطيات ديال التمرين. إذن التمرين هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، فارتأيت أنه تمرين واضح ومهم جدا، إذن فلهذا السبب رأيت أن تقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذن عندكم الوقت الكافي لقراءته والتمعن في مختلف الأسئلة ديالو ثم الإجابة عنه. بطبيعة الحال سنتعامل معه باللغة العربية أو الفرنسية ليستفيد الجميع. إذن vous avez un mobile de masse M considéré ponctuel, de masse M bien sûr, donc il se déplace selon une piste ABCD. Donc cette piste-là elle est constituée d'un axe circulaire AB et d'une partie rectiligne BC inclinée, pardon, et d'une partie CD rectiligne horizontale. Alors la première question c'était de calculer le travail du poids du mobile pour chacun des déplacements CD, AB et BC, en vous donnant bien sûr une certaine indication. Alors sur la piste BC, le mobile il est soumis à des forces de frottement F. Alors, toujours en gardant que le mobile se déplace avec une vitesse constante, appliquez le principe d'inertie pour déterminer l'intensité de la force et de celle de la réaction du plan PC incliné. Alors, montrez que le travail de la force sur la partie PC s'écrit de la manière que vous voyez devant vous. Calculez le travail de la force de frottement ainsi que la puissance de la force de frottement. Déterminez la puissance du poids sur le trajet BC ainsi afin de maintenir la vitesse constante sur CD, le mobile est soumis à l'action d'une force motrice. Alors voilà, qui représente en intensité 10% de son poids. Calculez alors l'intensité de cette force motrice, sachant que CD égale à 1 mètre, et en appliquant le principe d'inertie, calculez l'intensité de la force de frottement F1 sur la piste CD. Donc voilà le sujet complet. Donc essayez de le revoir et de comprendre bien les questions et y répondre aux différentes questions bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction. Calculer le poids, le travail d'une poids. Alors généralement le travail d'une poids, quel que soit bien sûr le travail de la poids selon la direction de A, on va commencer par AB, donc selon le dessin, donc c'est MG ZA moins ZB. Donc vous remarquez que ZA moins ZB n'est autre que l'altitude H1, donc c'est MG fois H1. Alors comment je vais calculer H1? Il suffit tout simplement de travailler avec sinus de alpha 1 est égal à H1 sur R. Alors H1 est égal à R sinus de alpha 1. Donc vous pouvez le calculer tout simplement, c'est 0,5 fois sinus de 45 en faisant bien sûr attention aux unités, donc c'est 0,35 mètres. Alors connaissant celle-ci, donc le travail du poids sera donc selon le trajet AB est égal donc MG, c'était, donc vous faites bien sûr c'est MG R sinus de alpha 1, donc en faisant votre calcul vous allez trouver 0,71 joules. Alors, en ce qui concerne maintenant le travail du poids le long trajet BC, toujours vous appliquez la relation, donc ici de B vers C. Connaissant ZB et ZC, c'est H2, donc c'est MG H2. Avec H2, on peut la travailler de la même manière que précédemment avec sinus de alpha 2, c'est-à-dire c'est MG, sera donc la longueur du BC, bien sûr, fois. Donc, ce sera sinus de alpha 2. Donc, sinus de alpha 2, c'est quoi? C'est BC, si vous voulez, sinus de alpha 2. Donc, je peux calculer H2 de la manière suivante, puisqu'on vous a donné HG, c'est H1 plus H2. C'est-à-dire que H2, c'est HG moins H1. HG, c'est 1,4 moins 0,35. Donc, c'est 1,05 mètres. Et tout simplement le travail du poids le long BC, ça sera donc en faisant votre calcul, c'est 2 fois 1,05, ça sera donc 2,1 joules. Alors la dernière question c'était simple, donc le travail du poids le long CD, puisque la trajectoire est rectiligne, donc horizontal, c'est 0, puisque le poids est perpendiculaire à la trajectoire CD. Alors voilà pour cette première question. Deuxième question, on vous demande, en appliquant le principe d'inertie, alors déterminer l'intensité de F. Alors le principe d'inertie, c'est la vitesse constante, alors la somme des forces extérieures appliquées sur le mobile égale à 0. Alors à savoir quelles sont ces forces-là, sont le poids et la réaction, bien sûr, égale à 0. Alors si on projette, en projetant cette relation vectorielle, l'axe GX, qu'on voyait dans votre figure, ça donne le poids CMG sinus de alpha 2 moins F égale à 0. De là, je peux appliquer, calculer F, donc c'est CMG sinus de alpha 2. Donc vous faites votre calcul, ça faudra 1 newton. Alors, il me reste maintenant Rn. Donc, je peux projeter sur l'axe GY. J'aurai la projection du poids CMG cos de alpha avec un signe moins. Donc, Mg cosinus de alpha 2 plus la projection de R selon l'axe OY. GY, c'est Rn. Donc, ça égale à 0. Donc, je la retire. Rn n'est autre que Mg cosinus de alpha 2, vous faites tout simplement votre calcul, donc ça vous donnera 1,73. Et par conséquent, R n'est autre que la race Rn au carré plus F au carré, c'est-à-dire vous faites toujours le même calcul, vous allez trouver à peu près 2 newtons. Alors, je ne m'attarde pas sur l'application numérique, je vous donne tout simplement les trucs que vous devez savoir, et après l'application numérique, vous pouvez le faire vous-même seulement. Alors, maintenant, montrez que le travail de la force de frottement est égal. Alors, pour cette question-là, je sais tout simplement que le travail de la force de frottement, selon le trajet BC, donc c'est quoi? C'est FBC. Normalement, voilà l'écriture d'elle là. Donc, F ou BC sont du signe contraire, donc c'est moins FBC. Alors, de là, je dois tirer BC. Alors, on a sinus de alpha 2 n'est autre que H2 sur BC. Alors de là, je tire BC qui est égal à H2 sur sinus de alpha 2. N'oubliez pas que H2, on a déjà calculé H2 la question précédente, c'est-à-dire que H2 n'est autre que HG moins H1 sur sinus de alpha 2, c'est-à-dire HG avec H1, c'est R sinus de alpha 1 sur sinus de alpha 2, et par conséquent le travail du F sera donc égal à moins F fois BC qui est égal à HG moins R sinus de alpha 1 sur sinus de alpha 2. Donc voilà, c'est très facile. Donc il suffit maintenant de faire votre calcul. Donc le travail de F selon BC, donc c'est moins 1 fois 1,4 moins 0,35 que je divise par sinus de 30 degrés. Donc j'ai trouvé moins 2,1 joules. Alors maintenant je passe au calcul de D. D c'est quoi? Calculer le travail du frottement, donc calculer la puissance de la force du frottement. Donc la puissance normalement de la force de frottement, c'est la force scalaire, la vitesse. Alors comme la vitesse est de signe contraire, donc normalement c'est le travail de F sur delta T. Ou bien je vais utiliser tout simplement cette relation, donc c'est moins F V, donc c'est moins 1 fois 5, donc c'est moins 5 watts. Donc si on voulait la puissance en valeur absolue normalement, ça sera simplement 5 watts. Alors je passe maintenant à la question, on a trouvé la question à travers la puissance de frottement, il me reste D et E. Donc D, on a répondu, calculer le travail de la force de frottement, B, montrer, on a fait le calcul, donc ça c'est B et C, donc voilà ça c'est B et C, et là c'est D, calculer la puissance de force de frottement. Il me reste calculer la puissance du poids, donc la question E, donc la puissance du poids. Donc la puissance des points, c'est tout simplement CP scalaire V. Alors là, je vais vous montrer, vous avez un solide quelconque. Donc voilà le poids. Donc ici, Y, perpendiculaire. Donc l'angle que vous avez, ça, ici, c'est alpha 2. Alors, ici, on voudrait chercher la vitesse. Donc là, voilà la vitesse. Donc quel est l'angle que fait P avec vitesse? C'est normalement, ça, c'est perpendiculaire. Donc c'est P fois V fois l'angle que fait P avec V, qui n'est autre que pi sur 2 moins alpha 2. Alors là, il faut faire très attention. Donc c'est mg fois V. Le cos de pi sur 2, c'est sinus de alpha 2. Donc vous faites application, c'est 2 fois 5 fois sinus de 30 degrés. Donc j'ai trouvé 5 watts. Alors maintenant, je passe à la question 3. Donc la question 3, vous avez deux questions ici. Donc première des choses, calculer l'intensité de la force motrice, qui ça vaut 10% du poids, c'est-à-dire 0,1 du P, c'est-à-dire 0,1 fois mg. Alors vous avez 0,1, la masse était 0,2, donc fois 10, donc c'est 0,2 newton. Alors connaissant cette force, bien sûr on a calculé, il faut calculer le travail de cette force. Donc le travail de cette force motrice, donc ça sera donc Fm fois le déplacement CD. Puisqu'il est parallèle, donc c'est Fm fois CD, donc c'est 0,2 fois 1, donc ça vous donne 0,2 joules. La dernière question, c'était B, en appliquant le principe d'inertie. Le principe d'inertie vous dit que la somme des forces égale à 0. C'est-à-dire Fm plus P plus R égale à 0. Donc si je fais la projection de cette relation vectorielle sur l'axe CD, donc ça va donner Fm. La projection de P, c'est nul, donc il me reste seulement moins F1 égale à 0. De là, je tire F1 est égal à Fm. Donc voilà, Fm, donc c'est 0,2 newton. Donc j'aurais donc répondu aux différentes questions, bien sûr. Donc, essayez de refaire cet exercice-là. Donc, vraiment, je me suis un peu allé plus vite, tout simplement parce que je vous ai donné tout simplement les trucs qu'il faut faire lors de votre contrôle. En ce qui concerne, bien sûr, l'application numérique, vous pouvez le faire vous-même. Alors, voilà, si vous voulez d'autres exercices plus difficiles que là, cela, vous pouvez même entrer dans la playlist concernant le travail, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices très importants. Alors, je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.